Et recoucoumez-vous d'amour, je viens vous faire la petite guidance, tant mieux que mal, là, voilà. Allez, on enlève les énergies. Installez-vous confortablement. Et soyez, mettez-vous à l'aise, bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc on m'a dit de travailler avec deux oracles. Ou... Voilà. L'oracle enchanteur et l'autre, je ne me rappelle même plus. Mais faut pas me demander. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Un petit message. C'est bien de travailler à l'envers, hein, je vous le dis. Bon, je vais prendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà? Oh, rupture, rupture, rupture. Alors, attention, la rupture. On parle de rupture. Il y aura de la consolation. On aura besoin de se consoler auprès d'une personne. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette rupture. Pour votre amour de vous-même déjà. Donc déjà, je vais recouvrir avec ces cartes. J'ai décidé de travailler autrement aujourd'hui. Recouvrir la rupture, la consolation, lâcher prise et l'amour. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Il y en a deux pour la rupture. Donc on me dit, rupture, c'est... Alors, pensez à vos promesses, à vos souhaits, à votre satisfaction. Faites un vœu peut-être pour que, ou reprendre, ou parce que c'est un vœu, parce que vous n'êtes pas bien avec la personne, ou qu'elle a eu des mauvaises intentions, ou qu'elle n'a pas tenu ses promesses, et que vous décidez de faire la rupture. On me parle que vous allez voir la lumière, la clarté, l'illumination. Oui, il y aura la rupture, on confirme bien. Voilà. Donc déjà, vous êtes une belle personne, on me dit. Vous avez... on doit vous, entre guillemets... vous devez avoir satisfaction de votre couple, des vœux que vous avez envie d'exaucer, même si, et c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y aura une rupture, mais une rupture, un mal pour un bien, parce que vous allez trouver la lumière peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de savoir, si on veut nous le dire, bien sûr. Alors, sur la consolation, ça sera pour... Un nouveau départ, une éclosion, entre guillemets, un commencement. Alors peut-être que la consolation, ça sera... peut-être que votre autre reviendra pour un nouveau départ, pour recommencer. Il comprendra peut-être qu'en vérité, mais la rupture, moi c'est ce qu'on me dit, que finalement c'est un mal pour un bien pour qu'il comprenne que vous êtes la bonne personne, qu'il doit vraiment s'engager. Tenir ses promesses. Bon, pour certains, certaines, vous aurez besoin de vous rapprocher d'une personne pour un recommencement, mais une renaissance peut-être de vous-même, ce qui vous aidera aussi d'être consolé et de un rapprochement, style mère-fille ou amie ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est surtout la rupture, ça sera. Vous aurez la clarté de la situation, que ça ne va plus, mais ça va pouvoir acter. Un nouveau départ ou vraiment que une la naissance de nouveaux sentiments. Parce que des fois, vous êtes avec une personne, elle s'aperçoit pas qu'elle a les sentiments escomptés et que finalement, bon, elle, c'était le souhait d'être avec vous, mais qu'elle ne montrait pas, était peut-être pas assez démonstrative. On vous dit que pour y arriver, bien sûr, on vous a dit de lâcher prise, bien sûr. Et pourquoi? Ben, c'est une protection déjà, une bénédiction de lâcher prise et c'est surtout pour vous mettre en sécurité. Vous avez besoin, c'est le ciel quelque part qui vous dit lâche prise justement pour votre amour à vous. Très beau message. Moi, je travaille aujourd'hui autrement. Alors, l'amour, on vous dit de regarder confiance, même si vous devez lâcher prise, abandonner la situation, mais garder la foi. Allez, on va recouvrir encore pour nous dire comment ça va avancer.
J'ai pas pris les énergies, c'est dommage. Je vais les prendre après, peut-être. Ou c'est que je devais pas les prendre. Allez, on reprend, on recouvre. Première, attention à votre alimentation, trop acide, trop polluée, trop abondante ou pas assez riche, votre alimentation vous nuit. Renseignez-vous, nourrissez-vous correctement, c'est important. Donc, moi quand je vois l'alimentation, peut-être que vous dormez mal aussi. Avec l'acidité, peut-être, l'acidité aussi, vous, le fait de la rupture aussi, peut-être que vous abandonnez à la nourriture, on vous dit surtout faites attention. Hein, ben voilà, c'est surtout ça. Peut-être de l'acidité dans votre corps, mais ça c'est peut-être le stress. Donc faites attention. Ne vous mettez pas dans une dépendance ni médicamenteuse, ni alcool, ni quoi que ce soit. Bon, la nourriture, c'est pas bon non plus, mais ça nuit quand même pour votre équilibre. Voilà. Bon, ça, c'est un petit fait. C'est seulement une aide. Alors, on vous dit que vous allez avoir. Vous n'êtes pas seul. Des amis fidèles vous entourent. Donc, pour ça, c'est pour recommencer. La consolation, il y aura quand même des amis qui seront là pour vous aider. Pour un renouveau, entre guillemets. Peut-être déjà même un renouveau de vous-même parce qu'ils voient aussi que vous êtes en train de vous abandonner parce que il y a la rupture. Psychologiquement, vous vous vengez peut-être sur la nourriture ou vous n'êtes pas bien et que des amis vont peut-être aussi, même s'il y a un renouveau après, vous aider à être beaucoup mieux. Allez, sur le lâcher-prise, on me dit qu'il y aura une réconciliation. La réconciliation est possible. Faites les efforts nécessaires pour améliorer le processus. Donc, si vous travaillez bien sur vous, et que votre autre aussi, qui comprenne aussi que vous êtes la bonne personne, ben, et que vous êtes son amour, qu'il faut qu'il y aura une réconciliation. Mais bien sûr, on a parlé de deux fois de lâcher prise, d'abandonner, donc lâcher prise. Même si c'est vrai, vous allez vous consoler sur l'alimentation et tout, vous serez aidé par des amis, et ça vous permettra déjà de vous réconcilier avec vous-même. Déjà. Voire réconciliation avec des amis et pour pouvoir ouais, peut-être se réconcilier avec son autre. Changement brutal, soyez au clair avec votre vie, des changements pourraient arriver très rapidement. Alors peut-être aussi, en amour, il y aura un changement brutal. Ou peut-être que monsieur va se rendre compte qu'il va vous perdre et qu'il va changer radicalement de comportement, ou c'est vous que vous allez changer brutalement parce que finalement vous n'avez pas. Voilà. Moi, on me dit que la réconciliation vous apportera déjà avec vous-même ou un changement brutal de situation ou le fait qu'il vous perde, il va changer brutalement pour pouvoir se réconcilier avec vous. Merci Margot, je t'ai entendu, moi en tout cas, si vous l'avez pas entendu, moi j'ai entendu péter. Voilà. On me dit gentiment aussi. Donc, il y aura bien sûr un effondrement suite à la rupture. Ça sera, vous serez dans le malheur, dans la destruction, dans l'échec. C'est pour ça que vous allez voir au clair les choses et que vous allez sûrement vous venger sur la nourriture. Mais bon, voilà, c'est parce qu'il y a un effondrement. L'effondrement sera suivi, bien sûr. Ben, c'est un homme qui doit rentrer en action. On parle. Pour retrouver le soleil, l'autorité, mais peut-être qu'il a fait force d'autorité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la rupture. Il a peut-être fait. Ouais. Jouer sur sa force, sur son autorité. On dit aussi peut-être de rentrer dans l'action pour la réconciliation. Donc voilà, pour monsieur, hein, entre guillemets, puisque tout s'est effondré. Si il veut retrouver madame, ben, il faut qu'il fasse comprendre que c'est un homme. Hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Bon, pour la réconciliation, on me dit, bon, il y aura, pour moi, il y aura des écrits, une communication faite avec son âme. Donc, une belle écriture. Il faut être consciente que. Si vous travaillez sur le lâcher prise, il y aura une communication, il y aura de l'inspiration à revenir. Ça aidera monsieur à s'inspirer
à vous redraguer, je dirais même. Et c'est, on confirme par deux fois que c'est l'univers. Hein. C'est l'univers qui veut ça. Bon, bien sûr, changement brutal parce que vous allez vous retrouver dans une impasse. Disons, surtout, c'est qu'il y a des obstacles, il y a du retard. Margot, je t'entends péter en douce. Ouais, vous trouvez que c'est, ça va pas assez vite. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? J'aime bien cette façon aussi de travailler. Je vous ai dit, j'essaie tout. J'aime bien tout. Bon, il y aura un retournement de situation. Donc, il y aura, oui, de l'orage et tout le reste. Et il y a deux cas qui se sont retournés. Donc, retournement de situation. Mais c'est peut-être parce qu'en vérité, il y a eu des dépenses inconsidérées. Donc, attention à des dépenses qui ne seraient pas mûrement réfléchies. Suite, bien sûr, à la rupture ou par rapport à la rupture. Peut-être qu'il y a eu des dépenses, que ça n'a pas plu à l'autre, ou peut-être parce que vous allez être dans la dépendance, entre guillemets, le fait de souffrir, donc décider de dépenser à droite à gauche, que ce soit dans l'alimentation, refaire la décoration pour se sentir bien, parce que des fois, c'est comme ça qu'on compense. Donc, on vous dit, bien sûr, il y aura quand même un retour de situation et surtout, attention aux dépenses indiscérées. Inconsidéré, mais c'est peut-être le retour de situation, et moi c'est ce que j'entends plus, à cause des dépenses. Peut-être que monsieur a trop dépensé, ça ne vous a pas plu, ça a mis la rupture, peut-être que c'était des choses qui n'étaient pas prévues, peut-être qu'il a choisi sans vous demander, peut-être, surtout vous en parler, suivant les dépenses. Si c'est acheter un truc qu'il a trouvé en brocante ou quoi que ce soit qui était intéressant, pourquoi pas, mais après si c'est une très grosse dépense, je pense que ça ne doit pas faire plaisir. Si l'on décide de s'acheter, je sais pas, la télé dernier cri et que on met en dette le couple, c'est pas bien perçu. Donc, on parle encore de votre corps demande plus d'attention pour monsieur. Donc, peut-être qu'il... Bah, lui aussi, hein, on parle d'addiction. Hein. Voilà, j'ai parlé de force, d'autorité. Donc, peut-être que dépenses inconsidérées, c'est parce que ben, monsieur s'est mis dans l'alcool. Excusez-moi de parler comme ça. Voilà. Voilà pourquoi attention à votre alimentation. Donc, on parle bien d'addiction. Ce qui me déçoit, qui me fait pas plaisir, entre guillemets, de vous annoncer des choses comme ça, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Des couples... Alors, ça peut parler autant aux femmes qu'aux hommes. Il y a des personnes, bien sûr, qui se mettent dans l'alcool ou dans d'autres dépendances affectives, même si, là, même si on parle d'alcool, puisqu'on voit la personne avec la bouteille à la bouche, hein, entre guillemets. Mais on vous dit surtout de faire attention à vous, parce que ça peut... déjà, ça fait des dépenses inconsidérées, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit nourriture excessive, mais encore la nourriture, je dirais, c'est pour manger. Mais l'alcool et cigarettes et autres, plus que cigarettes, c'est vraiment, ou même des dépenses pour ceux qui ont des convulsions pour l'achat ou pour les jeux aussi, je dirais que ce n'est pas bon. Voilà, et voilà pourquoi la rupture, bien sûr. Et voilà pourquoi on vous dit de lâcher prise. Utilisez vos capacités, vous possédez apparemment des capacités qui vous permettront de faire face à cette situation, utilisez-les. Alors là, c'est justement par rapport à la réconciliation. Donc, vos capacités, moi je dirais, ben, surtout peut-être de faire une cure, de lâcher prise pour madame et monsieur, lâcher prise son autorité, sa façon d'être avec madame, parce que c'est pas comme ça qu'il arrivera à récupérer, bien sûr, madame. Après, déposez ce fardeau. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau. Si vous persistez à vouloir le porter, demandez de l'aide à vos amis, aux anges, à l'univers. Donc, bien sûr, pour cet amour, déjà, retrouvez l'amour de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau de monsieur ou de madame, suivant à qui ça parlera. Entre guillemets, si c'est une personne qui boit, qui se drogue, qui est violente ou quoi que ce soit. Bon, pour une personne qui boit, est-ce que c'est vous qui lui avez mis le verre à la bouche? Pour une personne qui se drogue, qui fume ou qui autre chose, est-ce que c'est vous qui lui avez donné? Donc, vous n'avez pas supporté ce fardeau à être maltraité, violenté, même si c'est en parole, même si c'est rien qu'en parole, vous ne méritez pas ça.
la personne assume ses responsabilités. Si elle est dans une dépendance, quelle que soit, elle doit assumer ses responsabilités. Donc, on vous dit de lâcher prise. Elle aussi doit lâcher prise d'une certaine manière, façon de dire, je dois arrêter mes bêtises. Voilà. Vous, on vous dit lâcher prise pour dire stop, stop. Il y aura une réconciliation. Bien sûr, si monsieur ou madame, suivant qui ça parle, travaille sur soi, donc quitte à avoir un thérapeute, quelqu'un, même à s'arrêter directement tout seul, mais en tout cas, vous, monsieur ou madame qui subit ces affronts, cette humiliation, ce désarroi, entre guillemets, déposez ce fardeau. Ce n'est pas à vous de le porter. Ce n'est pas vous qui êtes responsable. Les personnes sont toujours responsables de ce qu'elles font. Si demain vous prenez 30 kilos, est-ce que c'est à cause de votre mari? Vous serez peut-être stressé par rapport à votre mari. D'accord. Bon, allez. Mais est-ce que c'est lui qui va vous obliger à manger? Je pense pas. Après, il y a d'autres situations où on peut grossir nerveusement. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est encore à régler. Mais ça, c'est vraiment à côté. Mais si vous êtes dans l'addiction de quoi que ce soit, chocolat, boule de glace, n'importe quoi, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, ce n'est pas l'autre personne qui vous force à manger en plus, qui vous force à boire, qui vous force à être méchant, méchante. À part si, bien sûr, elle rentre en conflit avec vous. C'est peut-être pour ça qu'aussi, on vous dit des deux côtés aussi de lâcher prise, peut-être les disputes, mais surtout après, bien sûr, les dépendances. Parce que, alors peut-être, nous, on parle de parce qu'il y a des souhaits qui n'ont pas été réalisés, mais peut-être, peut-être qu'il y a eu des dépenses inconsidérées pour réaliser certains souhaits, ça n'a peut-être pas plu à monsieur ou à madame, et qu'il y a eu la séparation par rapport à ça. Mais peut-être que c'était pas si méchant que ça. Il faut bien analyser la situation. On parle alors de... Il y aura une opportunité, une chance, un gain, un arrangement, on me dit. Mais bien sûr, si vous déposez ce fardeau et que vous lâchez prise. Après, on me dit bien sûr, transformation, évolution, métamorphose, transition. Donc, certaines vont se métamorphoser. Ils vont décider de prendre soin enfin de leur corps, de bien sûr d'utiliser leur capacité à travailler sur eux. Bien sûr, ça sera pour la maison, le foyer, c'est doublement protégé et pour repartir sur des bonnes fondations et construire quelque chose de sain. Logiquement. Et c'est vraiment un apprentissage de la vie, une initiation, un passage. Étudier la situation justement pour arranger tout ça. Allez, encore. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Récolter les fruits de votre travail, bien sûr, puisqu'il y aura des opportunités. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à récolter les fruits de votre travail, puisque si vous travaillez sur vous, voilà. Restez dans la bienveillance, soyez bienveillant envers le monde et envers vous-même. Une personne ou une situation a besoin de cette bienveillance pour évoluer. Donc, bien sûr, d'être dans la bienveillance l'un l'autre, vous disputer, être méchant envers l'un et l'autre ne sert à rien. Donc, les addictions et plus les mauvaises paroles ne servent à rien. Sauf à vous détruire. Donc, c'est les conseils qu'on vous donne. Patience, votre heure viendra. On vous conseille de faire preuve de patience. Les événements sont en train de se mettre en place. Donc, c'est en ce moment la situation pour certaines. Bien sûr, c'est intemporel. Les guidances sont toujours intemporelles. Donc, vous pouvez les voir dans 6 mois. Ça, si elle vous parle, c'est que c'est maintenant. Évitez d'être dans le jugement. Positionnez-vous pour correspondre à vos propres valeurs, ce qui est juste pour vous, mais ne vous positionnez pas contre les autres. Ce qui a amené quelqu'un à avoir tel ou tel comportement n'est pas toujours connu de vous. Alors, il y a plusieurs situations où le comportement, c'est peut-être parce que vous avez un comportement que vous ne voyez pas spécialement. Voilà. Vous en rendez peut-être pas compte. Peut-être que vous avez une façon de parler, une façon d'être qui ne correspond pas à monsieur ou madame, mais qui, entre guillemets, s'il ne parle pas, c'est peut-être pas de votre faute. Après, peut-être qu'il y a d'autres soucis
aussi de l'autre côté, le travail, la famille, peut-être des addictions depuis longtemps. Donc ne soyez pas dans le jugement, essayez d'analyser la situation. C'est pour ça qu'on vous a demandé de lâcher prise. Et je vais tirer les quatre dernières pour les conseils. Bon, déjà, vous pourrez récolter vos fruits, mais bien sûr, en étant dans la bienveillance et non dans le jugement. Donc non, ne mettez pas la personne dans la culpabilité, ça ne servira à rien. Soyez patient, patiente. La personne, si elle vous aime, elle va vouloir travailler. Parlez. Soyez dans la communication, quitte à lui envoyer un courrier pour que déjà, elle enregistre, parce que les paroles, souvent, ça disparaît. Que l'écrit, elle peut relire le message, comprendre le pourquoi du comment, et bien, et comprendre déjà votre situation, comment vous vous sentez. Après, même si c'est une addiction, que vous pensez que votre autre est peut-être encore dans une histoire du passé dans sa tête et que ce n'est pas vrai, peut-être que vous trompez sur cette personne, peut-être parce que ça, on me dit de le dire parce qu'il y a des personnes qui croient qu'on aime peut-être encore un ex parce qu'on explique la situation ou peut-être parce qu'on est en contact ou quoi que ce soit. Non, des fois, non. Le passé, souvent, reste au passé. Surtout quand on a souffert avec une personne. Voilà, bon. Alors, vous récoltez vos fruits, mais n'oubliez pas de travailler sur la peur, l'insécurité. Même si vous vous sentez en danger, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes séparés. Mais c'est à travailler. Votre autre, ce n'est peut-être pas un monstre, peut-être sur le coup, mais maintenant, peut-être que non, puisqu'on dit gentiment qu'il va travailler sur la bienveillance. On va voir encore un peu plus. Bon, il y aura vraiment la coupure, la séparation. Vous allez être vraiment dans la perte, dans le divorce, même si vous êtes bienveillant, bienveillante. Les conclusions disent que, ben, pour le moment, voilà. On vous dit d'être patient par rapport à votre famille, la racine, votre lignée, vos ancêtres, bien sûr, et par rapport au passé. Donc, pourquoi? On va essayer de savoir pourquoi, même si... Bon, d'accord, il y a un juste retour des choses. Il y a de la fidélité, mais en vérité, on me parle que monsieur est dans l'ego. Voilà, donc restez patiente, patiente. Monsieur, pour le moment, est dans l'ego. N'est pas prêt peut-être de travailler sur lui. Il y aura... moi, je dis que c'est la conclusion, c'est que il va se passer une réconciliation. Pour le moment, on acte bien. La conclusion, c'est que la rupture est bien actée. Vous allez penser à votre bien-être, à votre famille. Parce que vous sentez pour le moment en danger. Et parce que monsieur aussi a besoin de se regarder dans le miroir. Quel conseil va-t-on en énergie? Donc soyez dans la bienveillance, bien sûr. Mais pensez à vous. La situation sera bien actée pour la séparation. Ça, on vous le dit. Mais c'est pour penser à vous. À vos enfants, à votre famille, parce que vous vous sentez en danger et que tant que monsieur n'aura pas travaillé sur lui, puisqu'il faut qu'il se regarde, le monsieur ou madame, hein, se regarde dans un miroir, voir ses défauts, c'est ce que j'ai demandé, la conclusion, vous resterez séparés. Mais juste avant, on dit, oui, il y aura bien la rupture, il peut avoir une réconciliation si monsieur ou madame travaille dessus. Mais pour le moment, ça reste acté. Voilà, on vous a donné les conseils, on donne la conclusion que pour le moment la séparation est bien là, c'est pour protéger votre famille et tout le reste, et que, bien sûr, il faut travailler sur son ego et bien se regarder en face. Bien sûr, ne pas être dans le jugement, voilà, essayez peut-être d'aider monsieur, madame s'il a besoin d'aide, mais c'est surtout pour vous. Parce que si vous comprenez peut-être pas les problèmes de monsieur, madame... Préserve ton petit secret. Donc, on me dit, ça va germer petit à petit. Regardez une petite plante. Donc, préservez-vous, entre guillemets. Et sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc, vous avez besoin peut-être de savoir des choses. Pourquoi, du comment, parce qu'on a dit que c'est déposer ce fardeau. Mais surtout, ce qu'on vous a dit, ne pas être dans le jugement, ce n'est pas à cause de vous. Donc, peut-être qu'il y a une addiction, un problème à cause de quelqu'un d'autre. Donc, ne soyez pas dans le jugement. Essayez de savoir le pourquoi du comment, peut-être. Pourquoi il se passe telle et telle chose. Pourquoi il est comme ça. Bon, je donne trois autres cartes. Rien n'est jamais impossible. Donc, rien n'est jamais impossible pour que la personne change, pour qu'elle soit mieux, pour une réconciliation.
Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Voilà, donc analyser la situation, essayer de comprendre les choses. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc peut-être que vous avez vu la situation il y a quelque temps en arrière. Vous avez peut-être pas vu votre autre plonger dans le désarroi finalement. Mais il y a peut-être une situation à laquelle vous êtes peut-être pas lié. Ça peut être un truc de plusieurs années qui vous a peut-être parlé. C'est peut-être pour ça qu'on a dit de parler peut-être d'ex ou quoi que ce soit. Peut-être. Et que finalement, cette personne, indirectement, il rentre en dépression peut-être aussi. Et que s'est mise dans l'alcool petit à petit. Ou peut-être une situation qu'elle a vécue, que vous n'avez pas, pour vous, ça n'a pas porté impact pour vous. Mais pour votre autre, peut-être que oui. Découvre la diversité. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc peut-être. Ben que votre autre ne vous comprend pas. Vous avez des aspects insoupçonnés, vous avez la lumière, vous pouvez découvrir beaucoup de choses, on me dit. Et en d'autres decks, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Alors, quand je vois cette carte, c'est que si votre autre ne se réveille pas, on vous dit de vous épanouir à nouveau. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous avez bien sûr des aspects insoupçonnés pour refaire votre vie si vous avez envie. Voilà, c'est les derniers conseils qu'on me donne, mais si vraiment ça vous concerne et si vous voyez que ça ne reprend pas. Alors, quel autre conseil on va nous donner? Ne vous inquiétez pas pour moi, sinon je ne ferai pas. J'ai mal, mais bon. Admiration, mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc, gardez confiance, on vous l'a dit. Et bien sûr, sensibilité. Alors, tout dépendra de la sensibilité de la personne, bien sûr. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Alors voilà. C'est bien ce que je dis. Si vous êtes trop sensible et que ça vous fait trop souffrir, vous allez peut-être acter un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Sinon, la clé, c'est votre équilibre en couple. Et que, bien sûr, monsieur travaille sur lui. Voilà. Je vous ai donné deux solutions. Bien sûr, je ne vous facilite jamais la tâche parce que j'essaie de vous donner toutes les solutions. Ça, c'est mon petit but de vous faire travailler, entre guillemets, parce que vous avez besoin. Nous, on est là pour vous aider. Entre guillemets, il y a deux solutions. Vous prenez celle qui vous convient. Après, vous pouvez, bien sûr, c'est quand nous, on fait des consultations privées, c'est pour vous aider. Voilà. Donc, on est là pour ça. Moi, je vous dis qu'il peut avoir bien sûr les deux solutions. C'est à vous de travailler sur les solutions, hein. Bien sûr, ce n'est pas à moi de travailler pour vous. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous faire comprendre peut-être des choses. Machine qui pète toujours. Et comme je vous dis, bien sûr, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous savez où me trouver, hein, mon adresse mail, mon WhatsApp. Voilà, si c'est pour m'appeler et je vais le redire, mais je le dirai qu'une fois là dans ce truc. C'est si c'est pour m'appeler pour que ça soit me prendre pour une imbécile, c'est pas la peine, je vous le dis. Parce que à partir d'aujourd'hui, la personne qui me prendra une fois pour une imbécile, je ne la prendrai pas après. Voilà, je pense que j'ai droit d'être respectée. C'est dommage pour certaines personnes qui ont perdu plus que ce qu'elles ont gagné. Mais voilà.
Puisque j'ai toujours proposé beaucoup de choses pour arranger, même pour les personnes qui avaient des difficultés de payer. Et que moi, bien sûr, je vous ai toujours dit que j'ai besoin d'oracle, que je disais, ben, si vous pouvez payer pour le montant de la consultation les oracles en 4 fois, hein, que ce soit sur Amazon ou autre, hein, parce qu'il y a des endroits où on peut payer en 4 fois, si ça peut vous arranger pour avoir une guidance, bien sûr, un don contre un don, hein, comme j'ai dit. Une fois, j'ai parlé qu'avant, les sorcières, c'était contre ou de l'alimentation, ou des habits, ou voire voilà, des tarots. Je le propose aussi. C'est comme un don, finalement, hein, quelque part. C'est un échange de bons procédés. À vous de voir. Moi, j'essaie d'être arrangeante, même si j'ai besoin de vivre, comme tout le monde, comme j'avais proposé à un moment donné des bons d'achat. C'est bien sûr valable dans ma région, hein, bien sûr que je puisse m'en servir. Donc, je reste quand même à disposition pour tout le monde. Si bien sûr, après, les gens abusent de ma gentillesse, après, ben, Karine, arrête d'être gentille. Voilà. Je pense que j'essaye d'aider et. Pas pour m'envoyer des fleurs, mais beaucoup plus que certaines personnes. Donc, me demandez pas non plus l'impossible. J'essaye, je réponds au plus possible. Souvent, je dépasse le temps. Je ne regarde pas la minute, alors que vous allez dans certains sites où vous payez 10 à 15 euros les 10 minutes ou les 15 minutes, hein, où on vous les fait gratuites les 10 premières minutes, mais vous passez 30 minutes à 3 heures. 3 euros la minute de 99 exactement, comptez combien ça vous fait 90 euros. Donc, vous voyez, à vous de voir. Et n'oubliez pas, hein, plus vous passez du temps à parler, parce qu'ils sont, c'est leur métier, hein, de faire parler, de dire des choses et tout, c'est ça. Donc, vous voyez, vous voulez plein de questions. Et après, des fois, vous pouvez vous retrouver avec 200, 300 euros de facture. C'est comme vous voulez. Voilà, bien sûr, ils vont vous dire, ah, oh, vous pouvez vous arranger à payer en plusieurs fois et tout, c'est ça. Là, moi, je vous propose des forfaits autres, déjà pour pouvoir vivre. Et encore, je vous propose des arrangements. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Là, je l'ai dit. Ceux qui écouteront la vidéo, ben, peut-être oui que je le dirai dans une ou deux autres vidéos. Mais c'est pour faire comprendre. J'essaye d'être. Que ce soit comme j'ai demandé de faire des dons. Il n'y a que très peu de personnes. Donc, finalement. Tout ce que j'avais envie de mettre en place pour vous. J'ai toujours dit 1300 abonnés, allez, même 50 pour. Si tout le monde met entre 5 et 10 euros, c'est déjà ça m'aide. Bon, si vous êtes 1300 et quelques, vous mettez tous 1 euro chacun, ça m'aide en grande partie et je paye presque tout. Ah, c'est super, je pense que je pourrais vous offrir des soins énergétiques pour déjà la pleine lune et voir déjà, allez, je rajoute même encore un truc. Si tout le monde participe pendant 3 mois, je vous offre en privé à chacun un soin énergétique pour les chakras. À vous de voir. Et pour toute personne. Si bien sûr, je peux acheter. Donc, voilà. Et bien sûr, je le dirai, hein, je cache rien du tout. Je montrerai bien. Et s'il faut, je dis les noms ou le prénom, bien sûr, si la personne veut rester anonyme. Mais je dirai le nombre de personnes. Je ne suis pas une personne méchante, au contraire, je veux aider les gens. Sauf, bien sûr, je suis comme vous, je ne roule pas sur l'or. J'essaye d'aider les gens au maximum avec des petits. Je faisais même moins cher avant. On m'a toujours pris pour une imbécile. Maintenant, j'en ai marre. Voilà, je vous le dis complètement. Voilà. Si personne ne veut comprendre et s'il faut être méchant pour se faire respecter, je ne comprends pas le but, je ne comprends pas des fois le monde, mais bon, c'est pas grave. Peut-être trop empathique, trop gentil. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et passez surtout un bon moment agréable. Si vous êtes dans une situation comme ça, situation malsaine, pensez déjà à vous. Si votre hôte veut faire des efforts, oui, reconsidérez la situation si vous êtes capable de pardonner. Voilà.
Si bien sûr vous n'êtes pas capable, suivant la situation, parce que des fois c'est que des paroles, mais qui vous agacent, ou des choses comme là, dépenses imprévues ou des trucs comme ça, peut-être que dépenses imprévues, ça sera peut-être une cure. Ça aussi. Si la personne, c'est pour s'en sortir, pour être mieux, et que vous vous aimez profondément tous les deux, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter la chance? Si bien sûr après elle recommence, vous acterez vraiment une séparation, mais vous n'aurez rien sur votre conscience. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de déposer ce fardeau. Donc, à vous de voir, dans cette guidance, il y a beaucoup de messages pour des personnes qui se font maltraiter, que ce soit psychologiquement ou physiquement, je dis bien. Voilà. Et s'il y a des erreurs, parce qu'il y a une personne qui a trop dépensé d'argent et qui a une erreur, entre guillemets, de jugement, et qu'en vérité, elle a tout ce qu'elle a voulu faire, la personne, c'est faire du bien, peut-être acheter un truc qui soit joli dans la maison, et qu'il y a une dispute pour ça, qui est ridicule, hein, parce que finalement, il y a eu quand même des mauvaises paroles, ce qui a été dit quand même, et finalement, séparation. Donc s'il y a une mauvaise parole, c'est que monsieur ou madame, c'est peut-être pas la première fois s'il y a la séparation, voilà. Peut-être aussi que votre autre aussi a peut-être des addictions dépensières, entre guillemets, et ça, si c'est des petites sommes, bon, ça, si c'est des trucs au vide-grenier, 1 ou 2 euros, et que vous n'êtes pas spécialement dans le besoin, je trouve que c'est des disputes un peu pour rien, et à travailler dessus, autant l'un que l'autre. Surtout si après il y a des mauvaises paroles, parce que ça aussi, hein, il y a des mauvaises paroles. Ah, t'as acheté ça, mais c'est trop laid, ça me plaît pas, non, non, non. Ouais, mais moi aussi j'ai droit à avoir mes goûts, je peux avoir, je sais pas, vous avez peut-être une pièce à vous, dire c'est mon bureau, j'ai droit de le décorer comme je veux par exemple. Votre autre, peut-être même s'il n'aime pas la décoration de votre bureau, c'est votre bureau. Voilà, ça, donc si c'est pour vous faire plaisir, un petit truc ou deux pour votre bureau et que vous disputez pour ça, là je trouve que c'est ridicule. Voilà, ça c'est de la manipulation quelque part, et là peut-être que vous pouvez vous séparer pour des petite broutille à travailler, seulement à travailler. C'est voilà, donc de lâcher prise aussi peut-être sur la situation, à travailler aussi. Après, si c'est vraiment de l'addiction, de la manipulation, perverse narcissique ou quoi que ce soit, ou addiction malsaine, alcool ou quoi que ce soit, c'est sûr à travailler, lâcher prise, penser à vous, déposer ce fardeau. Bien sûr, ce n'est pas vous qui est responsable. En plus, là, dans la guidance, on disait bien que ce n'était pas vous. Et dans tous les cas, ce n'est pas vous qui mettez le verre ou la drogue ou quoi que ce soit dans la bouche de monsieur ou dans la main de monsieur ou madame. Voilà. Donc vous n'êtes pas responsable. C'est la personne qui est dans l'addiction qui est responsable. Si elle est boulimique ou pareil, l'autre terme, anorexique, c'est pareil. C'est dans le mental de la personne. Vous n'êtes pas responsable. Même si elle est bipolaire ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas responsable. Voilà. Donc, vous déposez ce fardeau, aidez votre autre, oui, à se soigner, si bien sûr, il prend acte de son miroir, entre guillemets, de ce qu'il reflète, et de ne pas rester dans l'ego, parce qu'il y en a, bien sûr, quand ils sont dans les addictions, sont dans l'ego. Donc, je vous invite à quitter cette personne si vraiment elle ne veut pas comprendre la situation, parce que c'est peine perdue. Voilà. Si bien sûr, le fait de se séparer, que vous voyez, en étant un peu patiente, que la personne veut revenir et qu'elle veut faire des efforts, et que vous vous aimez, aidez-la. Aidez-la. Voilà. Et si vous voyez que c'est peine perdue parce qu'il y en a personnellement qui replonge, là, vous acterez peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un autre truc de séparation, vous actez, c'est pour ça que je vous dis, la séparation est actée, mais elle pourra être actée après, même si vous décidez de travailler. Mais si la personne replonge, vous pouvez réacter une séparation. Voilà vraiment les fins que vous pouvez avoir, les conseils que je peux vous donner, parce que ça arrive à tout le monde. Il y en a qui essayent de faire des efforts, mais c'est en vain. Voilà. Et bon, là, bien sûr, pour son bien-être, même si on n'a pas envie, même si on est malheureux, malheureuse, il faut penser à soi et à son foyer. Parce que faire grandir des enfants dans un climat malsain, souvent vous le savez très bien, un cas sur deux reflète un des parents. Voilà. Et si c'est pour avoir un enfant qui reflète un parent mauvais,
vous allez l'avoir sur votre conscience. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas acté la séparation. Voilà. Donc, c'est à travailler. Si monsieur, bien sûr, ou madame, je ne sais pas à qui ça parle, veut travailler et sauver son couple, et bien sûr, pense à ses enfants si vous avez des enfants, et à votre autre, à vous, entre guillemets, c'est tout à son honneur. Voilà. Parce que oui, il peut nous arriver des choses, comme la dépression, comme je vous ai dit, et qu'on va dans des styles, on se noie dans l'alcool, dans la nourriture, dans tout et n'importe quoi, des achats aussi compulsifs. C'est à soigner. Voilà. Le tout, c'est de le reconnaître, de se regarder en face. Donc, elles ont très bien parlé, moi, je trouve, et que ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre. Et surtout, dites-vous, vous n'êtes pas responsable. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on me dit de passer ce message, parce que dans tous les cas, c'est votre autre qui décide de son sort. Vous pouvez même vous disputer, même si demain il vous dit « c'est à cause de toi que je bois ». Non, non, vous disputez, d'accord. Mais ce n'est pas vous qui lui mettez le verre dans la main. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qui se sentent mal à cause de disputes, par exemple. Ou il ou elle, hein. Je dis « il » parce que je suis une femme, mais vous le savez. Qui se sentent mal, ok. S'il est vraiment mal, il s'en va. Mais qui ne vous accuse pas d'un truc que vous ne... C'est comme si demain... on décide de vous donner... comme si demain vous décidez de manger, je sais pas, allez, au repas... je sais pas, vous êtes en train de manger n'importe quoi, une paella ou une raclette. Vous, non, allez. Noël, vous abusez de chocolat. Crise de foie. Mais c'est vous qui avez mangé le chocolat. Et le lendemain, vous regardez votre... C'est à cause de toi. Tu m'as pas empêché de manger du chocolat. Mais il n'avait pas à vous empêcher. C'est vous que vous devez arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc la personne que vous accusez peut-être n'est pas responsable. C'est vous qui avez mangé le chocolat. C'est vous qui avez mis la main dans le paquet. C'est pas votre hôte qui vous a mis le chocolat dans la bouche. Ou peut-être par plaisir, entre guillemets. Mais bon, je pense pas qu'il va vous mettre le paquet non plus. Donc, voilà. À vous d'analyser la situation. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, bien sûr. Et je pense que là, c'est vraiment des bons conseils. Voilà. Je sais même pas quel titre je vais mettre. Parce que là, c'est un peu délicat. Je vais réfléchir, comme d'habitude, bien sûr. On va toujours trouver un titre, même si c'est pas pertinent et que c'est peut-être mes titres qui ne ramènent pas spécialement de personnes. Mais en tout cas, ben, pour moi, mes guidances sont justes, même si elles vont peut-être pas avec le titre, peut-être. C'est peut-être un défaut comme ça, peut-être le nom de ma chaîne aussi, je ne sais pas. En tout cas, ben, pour moi, je fais, vous voyez, hein, tout... Déjà, vous voyez tout le travail que je peux faire, toutes les manières qu'on peut travailler et donner des informations aux personnes, que ce soit en privé ou même en guidance là, devant vous. Et je pense que chacun sa façon de travailler, mais vous voyez les résultats que je vous donne et tout est toujours en coordination. Voilà, sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.